Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Cette émission d'aujourd'hui, ça sera une suite de l'émission que nous avions fait sur Facebook où nous avions expliqué les articles 202, 203 et 204 parlant un peu des responsabilités ou bien des tâches, les compétences des provinces et du gouvernement central. Et nous avions expliqué à long et à large sur ce qui se passait exactement, la cacophonie de notre constitution, comment est-ce que ces articles-ci n'étaient pas clairs. Et là, il y a des articles qui, selon les citoyens congolais, nous avons comprendre que nous avons pu s'abattre. Compétences dans la région, distribution de compétences dans la constitution, selon moi. Ça je n'ai pas la monopole de vérité ici. Je ne fais que donner mon point de vue. Et point de vue, de plus en plus que nous y allons, et de plus en plus que vous êtes en train de partager cette émission, essayez un peu d'adopter l'idée haute aux Anango. L'idée, c'est quoi? C'est l'idée des projets de 145 territoires. Bandeko, vous n'êtes pas sans oublier que c'est depuis longtemps que moi je parle de la réorganisation de notre population, de notre peuple, et l'appropriation du pouvoir, la rétrocession du pouvoir à la base pour que nous puissions avoir un changement effectif dans la gestion et puis donner l'autorité de l'État. L'État ne se construit pas à Kinshasa. L'État se construit justement à la base. Le citoyen doit s'approprier de ça. C'est ça que nous avons dit, que la distribution de compétences dans notre constitution n'était pas vraiment claire. Et c'est ce qui amène toutes ces cacophonies. Alors aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus essayer un peu de marteler sur ce projet-là de 145 territoires. Comment est-ce que nous débattons aujourd'hui pour le changement ou bien le changement de cette constitution pour que nous puissions améliorer et adapter la constitution à nos vies réelles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Notre constitution a été copiée peut-être avec la France et tout ça, mais ça ne marche pas aujourd'hui. L'application de cette constitution cause vraiment problème. L'application de notre constitution aujourd'hui, promulguée en 2006, cause problème parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Le président de la République, tantôt il est le chef du gouvernement, tantôt il est le président de la République, tantôt il y a beaucoup trop de cacophonie. Alors aujourd'hui, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler du projet de 145 territoires, comment nous l'avons conçu et ce qui se passe sur terrain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour parler du projet de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Clôture de l'atelier sur le programme de développement des 145 territoires, les députés provinciaux appelés à faire un meilleur usage possible. Et puis, travaux disons, nous sommes à l'enseignement supérieur universitaire, les assistants et chefs de travaux menacent d'aller de nouveau en grève. On va sur actualité.cd. Ituri en RDC, prise en otage par les miliciens de la CODECO depuis les 34 jours, l'ancien député de Chouvi Machouma libéré. Et puis, dans son programme d'ambassadeur de la culture congolaise, Koffi Olomide prévoit un symposium sur le livre scolaire et de l'histoire de la rumba. Assemblée nationale, la première sur l'examen et l'adoption du calendrier de la session reportée. On va sur Congo profond, ici c'est du football, CAF C2, pas de vainqueur entre Otoyo et Mazembe à Kinshasa, 2 buts partout.
Turquie de 1 absent à la liste. Hector Cooper, Jackson Muleka sinistre en championnat. On va sur 7 sur 7. Trafic de carburant Kinshasa, le ministre des hydrocarbures interpellé à l'Assemblée nationale. Et puis Tshisekedi aux députés provinciaux, la réussite du projet de développement 145 territoires est tributaire de la stabilité des institutions provinciales. Et puis élection de gouverneur Rita Bola retenue candidat de l'Union sacrée à Maïndombe. On va terminer sur Radio Okapi Irumu. Les FARDC neutralisent 4 miliciens dans les tracts des ADF et Mai Mai. Pologne, les Congolais se mobilisent pour aider les étudiants venus de l'Ukraine. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. L'actualité est prédominée par, vous aviez suivi, donc le président de la République est parti sur ce grand chevaux en appelant les députés provinciaux des 26 provinces que nous avons. Moi, j'ai acclamé cet acte et je suis vraiment très content que le président de la République ait pris cette opportunité d'appeler tous ces bons mondes-là, Yakubandako, Lobela Bango sur projet, il y a 145 territoires. Bon, j'espère que matière Oyo Bango Bazana Ango na Katia projet Wana, ba député va comprendre Ango. Mais je doute. Pourquoi? Parce que j'ai senti dans le fief du président de la République une certaine non-maîtrise à projet à 145 territoires. On est en train de faire ces histoires en désordre. Pourquoi je dis en désordre? On appelle le député provincial après avoir lancé, posé des actes qui compromettent pratiquement tout ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire quoi? Quand on appelle les députés à Kinshasa en leur disant que non, nous avons un projet de 145 territoires, vous devez vous approprier de ce projet-là. Quels sont les moyens qu'on leur donne? Quel est le travail qu'on donne à ces députés-là qui est stipulé dans le projet de 145 territoires? Quelle est la mission qu'on leur donne? Est-ce qu'on les a appelés pour qu'ils réfléchissent, pour qu'on réfléchisse ensemble? Comment est-ce que nous pouvons réaliser ce projet-là de 145 territoires? C'est ça la question. J'ai eu comme l'impression qu'on a appelé ces gens-là en leur informant que non, nous avons un projet de 145 territoires et nous avons déjà décaissé le premier montant. Bon. Ces gens-là, ils vont se retrouver, on va leur parler d'un projet de 145 territoires en leur demandant de s'approprier. Mais quel sera leur rôle? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas été à la conception de ce projet-là. On va leur informer là qu'on va continuer, on va construire des écoles, on va construire ceci. Mais quelle est leur place? Misala na bango kozala nini? Ils n'ont pas participé à la conception de ce projet de 145 territoires. Ils n'ont pas été là. Et moi, je crois que le président de la République rate encore une opportunité de demander aux députés provinciaux d'être conscients que notre pays n'est pas sur de bonnes bases afin d'obtenir le changement que le peuple entend. Le peuple est en train d'attendre le changement. Quel est le changement que le peuple est en train d'attendre? Et je crois que ça devrait être là la première des questions. Moi, je crois que ces députés-là devraient venir à Kinshasa et leur demander de réfléchir comment est-ce que nous pouvons mettre une nouvelle donne. Comment est-ce que nous pouvons remettre l'autorité de l'État? Réfléchir, donner les idées pour que nous puissions
nous puissions nous regarder en face en disant, voici ce qui ne va pas, voici ce qui ne va pas. Comment est-ce que la corruption est en train de continuer? Est-ce que nos provinces ont-ils des moyens? Est-ce que comment est-ce que nous devons être payés? Le système qui est présentement actuellement ne nous permet pas à ce que le député provincial soit vraiment un député qui pèse, qui peut faire un travail qui va dans l'idée de remettre le pouvoir à la base. Pourquoi? Parce que quand vous les appelez en leur informant, en disant que nous avons déjà décaissé, nous avons fait ceci, quel est leur travail? Sont-ils venus à Kinshasa pour un tourisme ou pour être informés? Ça ne devrait pas être comme ça. Moi, je pense que le président de la République a raté. Ce que nous avions prévu, c'est que ce genre de communication devrait être communiqué directement dans les territoires. Ça ne devrait pas même être au niveau des comités des députés provinciaux. Le changement que le peuple attend, c'est ce que le peuple puisse commencer à trouver du travail. Mais ça, là, n'a pas besoin qu'aux alanini. Bon, Bobengi Bangona Kinshasa, en leur informant que non, nous avons un projet de 145 territoires, voilà, nous allons construire les routes, nous allons construire les écoles, nous allons... Et quelle est notre part? Part Nabisio Kozalani, Tozalakaba spectateur. Le peuple congolais a été spectateur. Le peuple congolais a été spectateur depuis 60 ans. Nous avons entendu que les gens, d'autres personnes puissent faire des choses chez nous. Avec nos matériaux, avec nos mines, avec nos richesses. Et nous, nous sommes restés des spectateurs. Et c'est la même chose que président Bengeli Batuna Kinshasa. Le président n'implique pas ces gens-là parce que Yemoko Azoloba que non toko construit ba école, banini. Est-ce que Batuana Bayaki Koyoka Kakapo Bakotongela Bisoboy, Bakotongela Bisoboy? Quel est le changement qui sera là? Atabolobibo s'approprier, c'est-à-dire quoi? Pendant que vous, est-ce que c'est vous qui aurez le binonde mutoboza la na gestion ya mbongo wana tokopesa na ba territoire? Bandeko biloko nyoso to etikali ka discours. Et c'est là le mal o nga nazako e pesa kinga pas si tant na yoka ki président de la République. J'ai eu du mal à voir que non. Le message que le président de la République a eu, il ne s'est pas approprié avant d'être pour réfléchir vraiment où est-ce que nous sommes en train d'aller. Outcome, donc résultat, il y a projet à 145 territoires. Et qu'aux alanini, est-ce que Baïkolouana est qu'aux construit place vite Ezali, ba guerre Ezali? Est-ce que les routes seront construites dans les territoires où il n'y a pas de banque? On dit que non, bon, on a décaissé, l'argent est parti, ou on a donné à qui? Qui va gérer toutes ces histoires-là? L'implication même de la base, elle est où? Le projet de 145 territoires tel que nous l'avons conçu, c'était que l'implication de la base. Il faudrait que la base réfléchisse. Il faudrait que la base commence à se dire, nous n'allons plus condamner quelqu'un si nous n'avons pas de route chez nous, si nous n'avons pas de l'eau chez nous, si nous n'avons pas de richesses chez nous. Nous n'allons pas condamner le président de la République, nous n'allons pas condamner le gouverneur de province, nous allons condamner celui qui est en charge de ce que nous lui avons donné comme travail. Allons-nous continuer à rester dans le même système aujourd'hui d'unitariste d'information? Ça, c'est le régime d'information. Et ça, c'est le régime d'information. Et ça, c'est le régime d'information. Nous allons construire ceci. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de vous...
êtes en train de mégérer le pays. Projet à 145 territoires pour que le peuple s'accapare de ça, pour que le peuple ait la conscience, il faut te vendre ça dans le peuple Yemoko. C'est pour cela que nous nous sommes dit, na chemin na biso, ata peut-être batumsusu baza, peut-être bazolo ba, oh non, chemin neza mabe, mais nous nous avions dit, nous devons passer à la 4e République, otokolo babandeko, réconciliation nationale. Na to pose na nou ba base solide ya mboka, il faut moko biso 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 moko to tcha ba banani wana ba base wana. Ba base wana eza la discuter li sous soutena mutu ke non boete, non. Il faudrait que nous ayons une base solide. Base solide wana to ko obtenir ango nini. Na ba consensus ya peuple na base. Mettons d'abord la politique à côté. Lelo oyo Léopard Kobeta na vendredi, on amène tout le monde. Effectivement, tout le monde a cet engouement. Léopard n'a pas besoin qu'il y ait des libos. Léopard n'a pas besoin de gagner. L'objectif de tout le monde, c'est que tous allons à la Coupe du Monde. Mais maintenant, ça c'est une bonne idée. Ils ont vraiment engouement pour conscientiser. Tout le monde a ça, les locaux, pour que Léopard ait gagné. Bah supporter bah yana stade bah tout nyoso tout, mais quel est l'ordre que nous faisons? Idée à quoi ça la 145 territoires ezanini ezaba école ezaba ba route, ça ne devient venir que lorsque les gens vont se mettre d'accord territoire na territoire bah vandi bah lobby bandeko mikimoi biele ki trop na mboka na biso. Comment est-ce que nous pouvons mabeza wapi? Et c'est là où nous nous sommes dit, projet à 145 territoires, il fallait aboutir à ce que tout le temps qu'on vend, qu'on le batte, biso to lingil sou bitumba te. Non, biso to lingil ki moibi li sou sou te. Pona kosili sa ki moibi, batou baka nga magal sou na Kinshasa te. Moutouaibi awa, toko jige awa, toko sa. C'est ça que moi j'appelle l'appropriation de ce projet-là de 145 territoires. Et ça, il y a Tshiseke dite. Félix, nous le supportons en disant que Félix proclamait 4e République, proclamait le retour du pouvoir à la base. Il y a un peu de temps que le président de la République, benga ba état généraux, il y a ba territoire. Au lieu d'appeler les députés provinciaux à Kinshasa, il y a ba députés nationaux, na provinciaux, na ba tunyoso. Toutes les personnalités de toutes les provinces. Bazonga nanu na ba territoire na bango, tokende nanu kosolo la. Sur les textes fondamentaux de notre pays. C'est ça que nous avions appelé le projet de 145 territoires. To financer ba état généraux wana en leur disant que mongo oyo Ezaponabino, bokende ko réfléchir sur sur un texte fondamental que nous tous nous devrons respecter. O ekozala clair. Texte otozanango, constitution otozanango, ezala ki peuple te, c'était quelques personnes qui se sont mis ensemble. Nous reconnaissons que Pesibiso 20 ans. Ça fait 20 ans que ce texte existe, mais la semaine passée, le samedi, je vous ai expliqué quelles sont les cacophonies. Na kati ya ba compétence qui fait à ce que même ceux qui ont ce projet moko ezako benda na biso mona biso tozoye ba tenani ya ko gérer. Prenez l'exemple à Biloko ya Mwanda. Le président de la République avait doté de 10 millions na Biloko ya Mwanda. Mais maintenant ba komika kana nani yango ko gérer? Est-ce que ça sera le gouverneur? Est-ce que kozala nani? Est-ce que ba tu ba komiko bunda parce que ba yokanité boyokanie ko ki kozala tena système o eza lelo. Biso to conserva ki projet à 145 territoires et zapo na ko rétrocéder pouvoir na base. Alors il fallait schéma na biso ezalaki ndenge ni schéma na biso ezalaki ke tant o etikali na président de la République. Ata la kaka ye mokote, ata la bokonzi na ye mokote ke no azala réeli na 2023. Tozo le ki satan ya pamba, nous devons avoir une certaine tozala na unité mokobo ya koloba. Non, na 2023 bandeko, voici le projet que nous avons,
nous allons mettre en place un projet où Ekotia Mutunyo surtout à l'aise, Mutunyo surtout à Koyeba, fonction à président de la République Ezanini, fonction à gouverneur Ezanini, fonction à province Ezanini. Ce n'est pas question de parti politique, c'est question d'abord et Mboka. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous pouvons supporter le président de la République à se dérober dans la Likambwana. Comme Yende Tata Mokonzi, Yende Mutu, Nakati à constitution, Otowi Koyokela. Akende na ndenge wana koloba bandeko na 2023 bobanda susu to ko komona mutu no o ndiende mokonzi na biso o babiloko nyoso na biso ezana Kinshasa te. Le vrai changement c'est de remettre le congolais au travail. Congolais kozonga na musala ndenge nini soki azana makokite ya kosala musala makoki ezate ke mbongo non il c'est ça le pouvoir, c'est ça tangu batu bakovanda bazako solo la balobi a na territoire na biso toza na carte d'identité te toyebi nani te toyebi soldat te toyebi policier te musala policier koma kaka ko nani batu to régulariser nanu makamwana l'état na biso to construire yango nanu biso moko. C'est comme ça que nous sommes dit président de la République a coqué qu'on suspendre dans nos parlements parce qu'il en a le pouvoir. Na parlement na sénat oyo. Gouvernement tout réfléchir sur ba structure ya sika ya mboka. Et cela devra passer par un canevas que nous devons ya ngwana na lobaki na lobby ce qui tient conception à projet wana malam. To sali conception to lobby. Projet Oya 145 territoires, il faut amener Bissot na identification, par exemple. Na renouvellement à classe politique. Nous, dans ce projet, si nous avons déjà les résultats, nous connaissons les résultats. Mais maintenant, ton comment n'a pas résultat, on a yangwa na biso toloba ki tozo loba mikolonyo so président pona kokoma na résultat ya ko tia ba base solide ya mboka na biso de façon que muto azana aru. Mutu aza na Congo central biso nyoso tozala na carte d'identité moko il faut to réfléchir sur constitution asika il faut to yeba ba prison na biso nani yango ko kende wapi nous sommes beaucoup d'intellectuels na kati ya mboka na biso na ba territoire nyoso tout batu bazaba ko réfléchir et c'est comme ça que nous sommes dit ce qui to pesi to financer ba projet wana 145 territoires chaque territoire bazana 2 mois il y a qu'à réfléchir sur une nouvelle constitution, cette structure asika. On est copé sa batu nyo surtout ba vanda. Bozo talabino moko ba soda ba tuo ba simba mandoki na côté est wana ba lobit. Non, awa biso to simbi mandoki. Est-ce que nous avons réfléchi pourquoi ces gens-là sont entrés dans la rébellion? Mandoki ekosili saka nani rébellion te. Projet à 145 territoires, ezalaki na bitia ko tia batu nyoso tout ensemble. Je vous dis et je suis à 100% convaincu que soki batu nyoso tout na katia, même là où il se trouve les états de siège, batu balobi ba chef coutumier balobi biso sécurité zana maboko na biso. Batu nyoso tout ba simbi mandoki na territoire oyo boya to vanda to solola. Et ça fait de cette zana, les zamba na mboka, to solo la, to tia mboka na biso ensemble. To réfléchir sur l'économie na biso, comment est-ce que to banda ko bénéficier na ba minerai na biso, na ba richesse na biso. Quelle sera nos relations avec les provinces, avec la capitale? Et ça la soussouté que non, président kakane moutifoya kotonga baba pon awa. Non. Il est grand temps c'est que nous réfléchissons sur le base solide yamboka na biso. Biso to réfléchissa ki tolobaki projet à 145 territoires, il fallait ko zongi sabatu nyonso na kati ya ba territoire na bango pona ko kende ko réfléchir comment est-ce que nous pouvons avoir un texte qui va refléter nos aspirations, qui va nous impliquer tous. Awa yo lobby que président lobby que non batouan au solo lina bango lobby non ba député provincial baza batoua bazo représenté ba province. Ce n'est pas question de province, c'est question à ba territoire. Bon, ce que okay, na ngwata na nani na scale na size ya nani ya ba province. Examiner ne trop que batou ba koyoka na te. C'est comme ça que nous ici nous sommes dit nous devons avoir les consensus dans les territoires pour que tous ala na texte toyeba bandeko kokoso oyo outi wapi otoza na ngolelo
parce que batu moko baza ko uta awa ba parti politique za ko sala mbilinga mbilinga ba biloko nyoso tout zo mona biloko congolais toyebi nani congolais te toyebani te toza kabiso batu na batu ba kende nanu na kati ya banani na bango na beituka na bango ba vanda bandeko awa tolingi mutu asimba mandoki te tolingi te to, il faut que nous mettions de l'ordre. Ordre ango biso nyoso tokoti ango ne ntokolo bake awa totongi awa za balabala awa sur tous les plans l'administration. Alors projet wana 145 territoires elinga ke pesa biso batu ya sika dans une nouvelle structure ba dirigeant ya sika na structure ya sika. Plan abiso zala ki koloba keno toko proclamer 4e République, mais tozo préparer en on a 2 ans au exotikala. Nous allons réfléchir comment faire les élections, comment avoir une carte d'identité, comment est-ce que ba gestion ya ba province kozala ba tâche na bango kozala ndenge nini. Toyebani toyebi tolobi bon awa na province biso pona mutu azala gouverneur ou bien pozala azala administrateur, voici les conditions qu'il devra remplir. Et ba tuana tango ba kovana na bituka na bango na ba tunyo sotu ba lobi bon ok. Batu oyonde toko choisir. Nous avions prévu ceci. Que dans chaque territoire qui est au moins, au minimum 200 personnes qui devront être na katia ba conférence wana. Oyo na katia 200 personnes wana. Tango batu wana ba koyebana. C'est ainsi que nous allons dire que non bon voici totier 10 millions de dollars na bino batu ya, ya nani ya territoire oyo. Na territoire oyo. Bobi misela biso texte ya sika. Constitution ya sika. Selon bino, comment est-ce que vous pensez qu'un président de la République, nationalité ndenge nini tokore, na, et tous les 145 territoires batu bako réfléchir na ndenge ya ba texte moko batu na batu basali ba pesi ba nani na bango. Alors, les 145 territoires vont venir au niveau des provinces pour na ko compiler ba texte wana, ba différence, ko harmoniser ba texte entre ba province, ba territoire. Et c'est ainsi que ba texte wana tango ko uta na ba province et yesikoyo na niveau ya Assemblée nationale ya sika. Oyo to ko adopter président ya lelo a promulgué ango pour que ait entré en vigueur na 2023. Ça ne sera pas que tozo pesa président de la République pouvoir. Nous allons réfléchir même sur la fonction du président de la République. Déjà au niveau du territoire. Déjà au niveau du territoire, il faut réfléchir. Ninyango, combien de temps président de la République akoko mawana ndenge nini. Ba carte d'identité tokozwa yango ndenge nini na territoire. Musala ya administrateur de territoire kozala nini. Gestion ya ba ressources humaines na biso, ba ressources économiques ya territoire na biso. Comment est-ce que nous allons sécurité na biso? Bandeko, comme d'habitude boyebika ke na contact pro life tozala kam mulaite, je suis en train de puiser mon temps. Donc on continue na sujet oyo tout au long de cette semaine pendant que ba six wana eza ko salema na Kinshasa oyo ba ko banani ba député provincial ba bengama kikuna pour na base à la informer du projet de 145 territoires. Moi je suis très na epesinga mawa parce que ba kozonga e ko sala soki 3 jours ba kozonga ba ebie ba tenana ba aboutissant ya projet wana te. Ce qu'il fallait faire, c'est d'appeler les conférences ou bien les états des lieux des territoires. Batuna batuba vanda. Kimia na territoire na biso kozwa mandenge nini. Administration na biso tokotonga yango ndenge nini. Ça, c'était l'idée ya projet à 145 territoires. Alors, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vais encore une fois de plus demander à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Batu belé surtout semaine passée. Bat lundi émission na biso me basa bonate. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur cette émission. Abonnez-vous. Continuez à partager. Na batu o, ceux qui vont partager en haut, batu o, bazana Kinshasa. J'ai eu le coup de fil à ma député provincial Msusu. Il y a Nord Kivu, même il y a Sankourou. Babenginga, batuninga, obéa, Germain, likamunawana, lobakatozo, kende ko discuter en haut à Kinshasa. Je les avais dit que non, bazo kende ko informer, bino, mais bino, boebi, batenen, baboutissan en goté. Yangwana, roba, ki toko continue, semaine, mobimba, tolo bela likambo, projet 145 territoires, pour que
Batouana, Bamon, effectivement, qu'ils vont rentrer, ça sera la même chose que tous les autres projets, Chile, Jelusan, Jour, tout ça. Et ils ne seront que des spectateurs. Or, nous voulons ce que, qu'il y ait implication de tout le monde. Batounion se bat réfléchir pour que tous allons monter à ce cas haut qu'on appliquer en 2023. Voilà. Continuez vraiment à vous abonner, partagez l'émission Nabiso. Et que ça la biso pe malamu mingi. Surtout ba j'aime wana botine di kaba j'aime wana soko lingiango ou bien soko lingiango te tia ata boye. Mais je suis sûr que en tout cas ba te belé bazako supporter idée oyo tozo lancer à projet à 145 territoires selon Contact Pro Life. Merci beaucoup, on va se revoir très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.